Seigneur, je bénis ce moment. Je te l'ai dit hier. Je te l'ai dit hier dans la nuit. Je te l'ai dit que ma prière de ce matin est qu'une personne sort d'ici changée. Une personne sort d'ici changée. Mais pendant que j'étais en train de prier, tu m'as montré deux choses. La première des choses, tu as écrit devant moi espoir. Alors j'ai compris que quelqu'un en sortant d'ici va retrouver de l'espoir. Mais la deuxième chose que tu m'as montré, tu m'as montré comment tu relevais quelqu'un. Ma prière et je te dis merci parce que je sens que quelqu'un va être relevé. Une personne qui marchait dans la honte avait la tête courbée, mais à partir d'aujourd'hui ils vont commencer à marcher fièrement. Merci pour les prochaines minutes dans ta présence, et je peux le dire pour quelqu'un. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles. On va lire deux portions des Écritures ce matin. Premièrement, notre premier verset se trouve dans Luc chapitre 8. On va lire au verset 40 jusqu'au verset 56. C'est un peu long, mais vous allez m'aider à lire. Et notre verset d'appui pour aujourd'hui sera Ésaïe chapitre 41 verset 10 au verset 13. Mais on va commencer avec Luc chapitre 8 verset 40. On sait une histoire que nous connaissons bien. Alors ça va être facile pour quelqu'un d'entendre ce message et de le comprendre. Mais je crois que Dieu va vraiment nous parler d'une manière différente ce matin. Alors je lis au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. La Bible dit à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans. Est-ce que quelqu'un peut dire 12 ans? 12 ans. Dis-le bien encore, 12 ans. 12 ans. Ça va être le premier mot que tu dois retenir pour ce matin. Qui avait environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Quelqu'un peut encore dire 12 ans? 12 ans. Dis-le encore bien, 12 ans. 12 ans. Je continue. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme se voyait découverte, vint toute tremblante, se jetait à ses pieds
et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Mais j'aime la continuité et comment elle avait été guérie à l'instant. J'aimerais encore le redire. Elle déclara son problème, mais elle dit comment la solution est arrivée. Alors ma première déclaration pour quelqu'un ce matin, tu avais un problème, mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi une solution. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Tu avais un problème, mais on ne peut pas parler de Jésus sans solution. On ne peut pas parler de Jésus sans résolution. On ne peut pas parler de Jésus sans restauration. On ne peut pas parler de Jésus sans restitution. Je veux dire à quelqu'un, tu as un problème, mais tu as aussi une résolution. Je ne sais pas pour qui je parle, mais si c'est toi, tu me dis yes. Je continue. Wow. Alléluia. Je sens que Dieu est là. La Bible dit 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Deux. Roi seulement. Trois. Et elle sera sauvée. Encore une solution. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Si c'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant, tous pleuraient et se lamentaient. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle meurt. Elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et j'aime ce dernier point. Il dit, Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Vous n'allez pas comprendre maintenant, mais vous allez le comprendre à la fin. Amen. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Asseyez-vous, je vais prendre le dernier verset pour vous. Acclame le Seigneur. Alors, je vais prendre pour vous Ésaïe 41, verset 10 au verset 13. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras. Ceux qui te suscitent querelles, ils seront réduits à rien, réduits du néant. Ceux qui te faisaient la guerre, je suis l'Éternel ton Dieu, tu fortifies ta droite, tu te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Amen. Alors,
grande et ma joie de me tenir parmi vous ce matin. C'est un honneur et un privilège pour moi. Et je prie d'être une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen. Je prie d'être une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Et je sais que je serai une bénédiction pour quelqu'un. Alors je commencerai mon message en disant comme ceci. Dis à ton voisin, le pasteur va commencer. Alors, j'aime le dire depuis un certain temps. Jésus rentre à Jéricho. Lorsqu'il rentre à Jéricho, la première personne qui reçoit son miracle, c'est Zachée. Et lorsqu'il sort de Jéricho, la dernière personne qui reçoit son miracle, c'est Bartimée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ceux-là qui ont reçu leur miracle en janvier. Mais j'aimerais dire, ce n'est pas parce qu'ils ont reçu leur miracle en janvier que toi en décembre que tu ne l'auras pas. Il y a des gens qui sont bénis en début d'année, mais il y a des gens qui sont bénis en fin d'année. Il y a des gens dont Dieu joue la dernière carte en fin d'année. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, en cette fin d'année ici, quand je te dis que rien n'est encore terminé, j'aimerais dire que rien n'est encore terminé, et surtout rien n'est encore joué. Rien n'est encore fini. J'aimerais dire à quelqu'un, il nous reste encore quelques jours avant 2022. Alors j'aimerais te rassurer, si la promesse a été donnée pour 2021, je sais que lorsque Jésus sortait de Jéricho, à la porte de Jéricho, il y a quelqu'un qui a crié Rabouni. Ça veut dire, il a arrêté Jésus avant que Jésus quitte Jéricho. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que Jésus rentre en 2022, il y a quelqu'un ce matin comme Bartimée qui dira Rabouni, aie pitié de moi. Ça veut dire, moi je n'ai pas été acteur du miracle en janvier, je n'ai pas été acteur du miracle en février. Quelqu'un de ma famille s'est marié en mars. Moi, je ne suis même pas marié en avril. Quelqu'un de ma famille a touché sa bénédiction en mai. Moi, je n'ai rien vu au mois de juin, ni au mois de juillet. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le mois de décembre n'est pas encore terminé. Je le dis, ce n'est pas encore terminé. C'est pas fini. Non, nécessité. La Bible nous dit, dans ce que nous venons de lire, la Bible nous dit que Jésus revenait d'un endroit. C'était là où l'homme, le fou de Gadara, avait été guéri. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive en Galilée. Et la Bible commence à dire que tous l'attendaient. Tous l'attendaient. Mais ce que j'aime dans cette histoire, tandis que tous l'attendaient, il y a un homme qui a eu le courage d'avancer. Il ne s'est pas arrêté avec tout le monde, mais il a eu le courage d'aller supplier Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde est ici, mais il doit y avoir quelqu'un qui doit marquer la différence. Tout le monde est assis ici, mais tu dois marquer la différence. Ça veut dire, pour avoir son miracle, ne sois pas compté parmi la foule, mais sois une personne qui sort de la foule. Je ne sais pas comment tu vas écouter ton message, mais si on l'ingoye bisa voisin, voisin, on l'imbisanga, nakotele ma, tu
tu dois te démarquer de la foule de ce matin. Si tu veux avoir ton miracle, tu dois te démarquer. La Bible dit, tout est en train de l'attendre. Jésus arrive en Galilée. Et lorsque Jésus arrive, la Bible nous dit, Jaïrus s'avance. Jaïrus dit, s'il te plaît, rentre chez moi à la maison. Je te supplie, rentre chez moi à la maison. Quel était le problème de Jaïrus? Le problème de Jaïrus, c'est qu'il avait une fille de 12 ans qui était en train de mourir. Mais il s'est dit, rien n'est encore trop tard. Ma fille peut encore guérir. J'aimerais dire à quelqu'un que rien n'est encore trop tard. Le miracle peut encore se passer. Malgré que nous sommes à la 90e minute, cela n'empêche pas Neymar de marquer son but. Même si nous sommes à la 99e minute, cela n'empêche pas Mbappé de marquer son but. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes peut-être à la 99e minute de cette année, mais ce que j'aime, lors du football, on appelle des minutes de prolongation. Il rajoute toujours 2 minutes à la fois. J'aimerais dire, durant ces 2 minutes, il y a des actions qui se passent. Et ces actions peuvent déterminer la finalité du match. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux encore faire une action qui va changer la finalité de ta vie. Tu peux encore faire une action qui va changer l'année 2020. Écoute, Yoka, que l'ennemi ne se réjouit pas parce que nous sommes à la fin de l'année. Il va rire. Il va dire, est-ce que tu as vu tout ce que Dieu t'avait dit? J'aimerais que tu dises, mon Dieu est fidèle. Si il a dit que ça va arriver, même le 31 décembre 2021, à 23h59, je pourrais avoir une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour qui je parle, mais j'aimerais déclarer à quelqu'un que même le 31 décembre, rien ne peut arrêter Dieu pour te faire du bien. Rien ne peut arrêter Dieu. Jaïrus est allé supplier en disant que ma fille est en train de mourir. Jaïrus, tu as eu raison de ne pas te tourner vers quelqu'un d'autre. Tu as eu raison de te tourner vers Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as raison de te tourner vers Jésus. Tu as raison de te tourner vers Jésus. Combien de fois tu as fait confiance à des gens cette année? Mais cette année, beaucoup de personnes t'ont déçu. Mais tu as raison aujourd'hui de te tourner vers Jésus. Jumbo le soir. Ça veut dire à la dernière seconde. À la dernière seconde. À la dernière seconde. Il peut faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est trop grand. Rien n'est impressionnant. Arrêtez Dieu! Écoute, Yoka, j'aime une chose. Jésus dit aux disciples qu'il va ressusciter. Les autres disent que c'est faux. Il va ressusciter comment? C'est normal qu'ils doutent. C'est normal que les sacrificateurs peuvent douter. Et même les disciples peuvent douter. Parce qu'à chaque fois que nous avons parlé des résurrections, c'est Jésus qui venait ressusciter. Mais là, Jésus dit que lui-même il va ressusciter. Ça veut dire personne viendra me ressusciter. Mais moi, le troisième jour, je viendrai le faire. Alors le premier jour se passe, rien ne se fait. Deuxième jour, rien ne se fait. Le troisième jour, j'aimerais dire une chose. S'il y a bien quelque chose qui est impossible à Dieu, c'est de mentir.
c'est de mentir. On dit que rien n'est impossible. Je dis que c'est du mensonge. Parce qu'il y a quelque chose qui lui est impossible. C'est de mentir. Mais ce que j'aime dans sa résurrection, la pierre était là. Pour Lazare, pour que Lazare ressuscite, on a dû bouger la pierre. Mais pour que Jésus ressuscite, personne n'a bougé la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que Dieu te fasse un miracle, il n'aura besoin de personne pour le faire. Mais Dieu le fera par lui-même. Dieu le fera par lui-même. Je dis Dieu le fera par lui-même. Mais vous savez ce que j'aime encore plus dans cette histoire? Non seulement il y avait une pierre, mais il y avait des soldats. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis peuvent te mettre des obstacles. Et ils peuvent veiller que ces obstacles-là restent là. Mais ceux qui ne comprennent pas, lorsque Dieu décide de faire un miracle, il ne va pas par la voie humaine, mais il va par la voie surnaturel. Il voit par la voie surnaturelle. J'aimerais dire, le surnaturel ne fonctionne pas avec le temps des humains. Le surnaturel ne fonctionne pas avec les idées des humains. Mais le surnaturel se passe avec l'idée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu t'y attends pas, c'est là où Dieu va susciter quelque chose. Je ne sais pas pour qui je parle, mais j'aimerais dire à une personne, là où tu dis que c'est impossible, c'est là que Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Oui, la Bible dit, Jaïrus avance et il dit, s'il te plaît, rentre chez moi à la maison. Rentre chez moi à la maison. Parce qu'il y a ma fille qui est en train de mourir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus est en train de partir vers Jaïrus. Mais durant son parcours pour aller vers Jaïrus, j'aime dans le livre de Luc, parce que Luc mélange l'histoire de la femme à la perte de sang avec l'histoire de Jaïrus. Mais il nous donne un enseignement très important. Durant que Jésus va chez Jaïrus, il y a quelqu'un qui stoppe Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a un miracle pour l'autre, c'est qu'il y a aussi un miracle pour moi. J'aimerais dire à une personne, si le poisson est rempli chez l'autre, c'est que le poisson va être rempli chez toi. La Bible nous dit, lors de la multiplication du poisson, dans la barque de Simon Pierre, c'était tellement rempli qu'on a appelé les voisins. J'aimerais dire, l'être humain a l'habitude de dire, si le feu est chez mon voisin, c'est que le feu peut aussi venir chez moi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si la bénédiction est chez ton voisin, c'est que la bénédiction peut aussi venir chez toi à la maison. Si le mariage touche à ton voisin, c'est que le mariage peut aussi venir chez toi à la maison. Si la réussite touche chez ton voisin, c'est que la réussite peut aussi venir chez toi à la maison. Écoutez, Yoka, il y a de ces gens-là comme Jaïrus qui veulent faire déplacer Jésus. Il y a de ces gens-là comme la femme à la perte de sang qui viennent arrêter Jésus. Ils viennent arrêter Jésus dans son déplacement. Écoute, Yoka, tu peux créer un miracle qui n'était pas prévu pour toi. Ce n'était pas prévu pour toi, mais tu le crées.
C'était pas prévu. Tu le crains. Un jour, je prêchais comme ceci. Lors de la fête des noces à Cana, Jésus n'avait pas prévu de changer l'eau en vin. Mais ce que j'aime dans cette histoire, malgré que Jésus dit à Marie, qu'y a-t-il entre moi et toi? Marie dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire, malgré sa réponse négative, je crée l'environnement pour le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, même si Dieu n'avait pas décidé de venir chez toi, crée l'environnement qui emmènera le miracle chez toi. Même si Dieu n'avait pas décidé de venir dans ta maison, je ne sais pas pour qui je parle. Dieu avait décidé de ne pas me venir ce mois-ci, mais je crée l'environnement qui va le pousser à agir en ma faveur. Marie dit une chose, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire, j'ai la foi qui fera quelque chose. Il y a une chose que la femme à la perte de sang avait que Jairus n'avait pas. C'était sa foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est avancer sans savoir là où on va. Mais j'ai confiance que j'aurai ce que j'ai envie d'avoir. La femme à la perte de sang ne devait pas sortir dehors, parce qu'elle était, émise comme une personne impure. Mais et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, malgré que je sois impure, je me décide de partir. Même si on me frappe, même si les autres deviennent impurs, je vais vers l'inconnu et je vais aller toucher Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as rien vu cette année, mais j'aimerais te dire, continue à marcher vers la destinée, parce que vers ta destinée, il y a un homme qui est prêt à te guérir. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, Abraham, suis-moi. Abraham ne savait pas là où il allait. Mais c'est ça la foi. La foi, je n'ai pas besoin de voir pour y croire. J'ai juste besoin d'entendre pour y croire. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il a suffi qu'Abraham simplement d'écouter pour pouvoir y croire que c'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu écoutes le message de ce matin, j'aimerais te dire, alors commence à y croire. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible. Parce que c'est possible. Et moi je le déclare pour ta vie. Tu ne vois peut-être rien, mais le message de ce matin est un signe que Dieu est capable de faire encore quelque chose. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je le dis, le message de ce matin est un signe que Dieu peut encore faire quelque chose. On dit que Lazare est mort, mais tant que Jésus est là et que vous entendez sa parole, c'est que Lazare peut ressusciter. Je ne sais pas quel est ton problème, mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu y crois, alors tu vas voir. La Bible dit, dans cette même histoire, tandis que Jairus et Jésus partaient, ils sont en train de partir, ils se dirigent. Là, je suis sûr que Jairus a bêtelé même une solonios. C'est-à-dire, tu sais, même à la maison, là, la nourriture, il n'y a plus. Na yoka que tu as multiplié les pains. Alors ils sont en train de parler. Et la Bible nous dit, tandis qu'ils sont en train de parler et avancer, une femme
qui avait tout dépensé chez les médecins. Ça veut dire, elle a frappé à la porte des hommes, mais elle n'a jamais rien trouvé. Elle a eu la faim dans sa vie. C'était la faim financière. Ça veut dire, le fait d'avoir couru chez les hommes, ça a amené la sécheresse quelque part. C'était une sécheresse financière. Mais cette femme se disait en elle-même, si je touche le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Tout a commencé par la foi. À la foi, elle a déclaré. Quand je te disais de déclarer dès le début, non, cynité. Ça veut dire, avant que je termine la prédication d'aujourd'hui, rien n'est encore terminé. Ils veulent garder cette femme cachée. Ils veulent garder cette femme cachée. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut cacher tout le monde, mais on ne cache jamais une graine. On peut cacher tout le monde, mais on ne cache jamais une graine. Parce que la graine, lorsqu'on la cache, automatiquement, elle sort encore. J'aimerais dire à quelqu'un, ils ont voulu te garder caché, mais j'aimerais dire, Osambouma, Atababombio, Souka Souka Okobima. Tu es une graine. Rosamouma. Tu es une graine. Rosali Mouma. Bakunda Batunioso. Ah. Yo Bakunda Yote. Amen. Parce que tant que Bakoko Tisona Sama Bele, Bakoko Makoso Koufate, Moso Bimakaka. Tu es une graine. Rosali Mouma. Cette femme, on l'a caché. Mais tandis qu'on l'a caché, ce que j'aime, elle faisait les plans pour son miracle. Ça veut dire, on me cache, mais moi je planifie mon miracle. Je ne vois pas ce qui se passe maintenant, mais je vois ce qui se passera demain. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais vois ce qui va t'arriver demain. Je pleure aujourd'hui, ça ne signifie pas que demain je vais aussi pleurer. Aujourd'hui je manque, ça ne signifie pas que demain je vais aussi manquer. Elle était cachée, mais ma vision était toujours ouverte. Elle était cachée, mais ma vision voyait mon miracle. J'étais cachée, les hommes m'ont disqualifié, mais Dieu est en train de préparer une histoire avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, la disqualification des hommes n'est pas la disqualification de Dieu. Lorsque les hommes te disqualifient, c'est que Dieu est sur le point de te qualifier. Elle était cachée. Mets-toi avec l'homme de Dieu. J'aime imaginer mes prédications. Amen. Ce qui se passe, ils sont en train de marcher. Ils pouvaient se trouver loin, mais le fait qu'ils se trouvent loin n'empêchera pas ma foi. Ils pouvaient être loin en train de marcher, mais vous savez que cette femme avait encore un autre obstacle. L'obstacle, c'était la foule qui était là. Elle devait placer la différence. Comment placer la différence là où il y a tout le monde? C'est sûrement la question que quelqu'un se pose. J'aimerais te répondre. Placer la différence commence avec l'audace. J'ai l'audace de mettre le pied en avant. Les gens pouvaient reconnaître et crier, regardez la femme à la perte de sang. Qui l'a laissé sortir? Mais je m'en fous de ce que les gens disent. Ce qui est important pour moi, c'est l'homme qui est en train de partir. Tu ne peux plus rater les opportunités. Si tu ne saisis pas les opportunités, tu ne les saisiras plus une autre fois. Écoutez, j'étudie à la femme adultère. Il dit, va et ne pêche plus.
Pourquoi il le dit ça premièrement? Il est en train de dire: aujourd'hui on t'a pas frappé parce que moi j'étais là. Le jour où moi je ne serai pas là, on va te frapper. Aujourd'hui on t'a pas humilié parce que moi j'étais présent. Mais le jour où moi je ne serai pas là, on va t'humilier. Il y a des opportunités qui viennent une seule fois. Si tu rates cela, ça reviendra plus jamais. Alors aie le courage d'essayer. Celui qui échoue n'est pas celui qui tombe et qui se relève. L'échec veut dire abandonner. Mais si ça ne marche pas et que j'essaye encore, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'échec. La femme a la perte de sang. Tournez-vous. Non, de l'autre côté. Il va en train de partir. Jairus est en train de plaider son problème. Là-bas à la maison, ça ne va pas. Mais elle ne sait même pas le problème de Jairus. Elle s'en fout si Jairus est avec Jésus. Mais elle se dit: c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. La femme a la perte de sang, ça avance. Elle passe l'obstacle. J'aimerais dire à quelqu'un: dépasse les obstacles, dépasse les moqueries, dépasse la honte. Ton miracle est plus grand que ce que tu es en train de vivre. Dépasse cela. Passe en fin d'ailleurs. Quand tu as la barmoté, tu as la yesu libosson ailleurs. Passe en chol ailleurs. Quand tu as la barmoté, tu as la yesu libosson ailleurs. Maligui ma konza ailleurs. Quand tu as la barmoté, quand tu as la barmoté, quand tu as la barmoté. Les obstacles. Peut-être même qu'on l'insultait. S'il s'agit de mon miracle, je ne fais plus attention à mes oppresseurs. Mais au contraire, mes oppresseurs doivent devenir des tremplins qui me motivent pour atteindre ma destination. Tu dois les montrer que nous en grand bunayo. Il faut bailler ma kenza mazana ngambuna. Nangai. Ce qui baillait bien en moitié bakose kayo. Mais pourtant Dieu est en train d'attendre de montrer qu'il est avec toi. Tokanda balole la kwala la kiseta zana yo longo. Sors de la honte. Imana soni wana. Va toucher Jésus. Kene kosimba Yesu. Sors de la médiocrité. Imana bitu bya chana na. Va toucher Jésus. Kene kosimba Yesu. Sors de la moquerie. Va toucher Jésus. Passe en fin ailleurs. Ce que j'aime, même si Penina se moquait de Anne, ça n'a pas empêché Anne de continuer à aller prier. J'aimerais dire à quelqu'un: confine à la barre, conseca la barre, et qui t'y s'arrête au Kénéko Simba Yesu. Amen. Vous n'allez pas me décourager. Je vais continuer à y croire. Je vais continuer à y croire. La réussite ne vient pas facilement. Pour réussir, il faut les insultes. Pour réussir, il faut la honte. Pour réussir, il faut la moquerie. Il faut que ma sépaille. Il faut que ma gonzaille. Il faut que ma soie. Il faut que ma boudisse. C'est dans le processus de la réussite. Écoute, Yoka, tu ne peux jamais vouloir le succès si tu n'acceptes pas les pressions. Tu ne peux jamais vouloir la réussite si tu n'acceptes pas la moquerie. Moi j'aime le dire. Pour devenir le pasteur que je suis, il fallait que baloba mwana mukewana. Il faut que baswa nisayo. Matia musa piboye. Matala nima oye. Et bon on a sa nima go salanini. Nzamba lingi ngai kaka bongo. J'aimerais dire à quelqu'un: Jésus n'est jamais venu pour les parfaits.
Mais il est venu pour les imparfaits. Il est venu pour les imparfaits. Tu veux Jésus? Accepte qu'on se moque de toi. Tu veux sortir de cette situation? Pourquoi tu n'acceptes pas les attaques? Si tu n'acceptes pas les attaques, alors tu n'es pas prêt pour la réussite. Il faut même que tu tiennes au poison. Il faut que ça la yango. Il faut que ça fasse témoignage. Il faut que ça se passe comme ça. Si ça ne se passe pas comme ça, alors la réussite n'est pas à la porte. Vous savez, lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, on parle de contraction. Plus ça fait mal, ça veut dire que l'enfant est sur le point de venir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que je salue passé, c'est que moi n'a moque Zobima. Amen. Si ça te fait mal, c'est que Samuel moque Zobima. Amen. Ce que je salue passé, c'est que Joseph moque Zoya. Ce que je salue passé, c'est que ma pambolina moque Zokita. Dis à ton voisin, dans 25 minutes, le pasteur a terminé. Écoutez. Yoka. Je ne vous ai pas encore donné mon thème. Hein? Je vais vous le donner. La fille voici arrive. A commis. Toute tremblante. A zolenge. La Bible nous dit elle a peur. Mais la question que je vous pose, la peur ne l'a pas arrêté de continuer. Elle a eu peur. Mais elle n'a pas arrêté. Que la peur n'influence pas ma destinée. La peur ne va pas me décourager. Même si j'ai peur, je vais avancer. Elle avance. Elle avance. Elle avance. Jésus est en train de partir. Elle dit c'est maintenant ou jamais. Elle touche. Lorsqu'elle touche, eux tous ils s'arrêtent. Oui. Jésus s'arrête. J'aimerais dire, tu viens de faire arrêter Jésus dans ta maison. Je le déclare au nom de Jésus. Tu viens de faire arrêter Jésus devant ton problème. Je le déclare au nom de Jésus. Tu viens de faire arrêter Jésus dans ta maison. Dans ton adresse. Tu viens de le faire arrêter. Jésus s'arrête. Et il dit, alors, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre dit, tout le monde te touche. Et tu demandes qui m'a touché? Non, Pierre. Toutes les personnes qui m'ont touché n'ont pas fait sortir ce qu'il y avait en moi. Lorsque Jésus dit il y a quelque chose qui est sorti en moi, on parle de dynamis. On parle de puissance. Quelque chose qu'on ne peut pas faire sortir par hasard, mais quelque chose qu'on fait sortir par la foi. Tout le monde me touche. Personne ne touche mon dynamis. Personne ne touche ma puissance. Mais qui est cette personne qui a touché ce qui est en moi? Je prie que cette personne se trouve là ce matin. C'est ma prière d'aujourd'hui. Je prie que quelqu'un se trouve là ce matin. La Bible nous dit une chose. Cette femme qui a fait 12 ans. 12 ans. La perte de sang s'est arrêtée. Nous dans la main d'un homme, mais dans la main d'un roi. Est-ce que je peux vous expliquer quelque chose? Vous posez sûrement la question, pourquoi cette femme est venue par derrière? Pourquoi elle n'est pas venue par devant? J'aimerais vous expliquer cela. Dans l'ancien temps, lorsqu'on voyait le pan de la robe d'un roi long,
pas envoyé le pan de la robe d'un roi long. Ça veut dire qu'il a gagné beaucoup de batailles. Alors l'une des choses qui a fait en sorte qu'elle puisse avoir son miracle, c'est qu'elle a donné une révélation de Jésus que personne n'avait. En touchant le pan de sa robe, c'était une déclaration comme si elle disait que cet homme est roi. Alors ce qui s'est passé, il y a eu directement un miracle. Tu peux toucher Jésus, mais le toucher sans révélation, tu n'auras aucun miracle. Tu peux toucher Jésus, mais quelle est la révélation que tu as de Jésus? N'est pas la révélation de tout le monde, mais est une révélation complètement différente. Je ne le touche pas pour le toucher, mais je le touche parce qu'il y a quelque chose. La Bible nous dit 12 ans, cette perte de sang s'arrêta. 12 ans. Le thème de mon message, c'est voici la fin. Voici la fin. Quelqu'un dit amen sans comprendre. Lorsque j'ai reçu ce thème, je l'ai entendu audiblement deux fois. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu insistait sur ça. Le chiffre 12 est le chiffre de la fin. La fille de Jairus avait quel âge? Avait 12 ans. La femme à la perte de sang avait quel âge? A duré pendant combien de temps? 12 ans. J'aimerais que vous puissiez regarder vos téléphones. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 12 décembre. Et nous sommes le 12 décembre. Ça veut dire que la fin c'est aujourd'hui. La fin c'est aujourd'hui. La fin c'est aujourd'hui. La fin c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que nous sommes le 12 décembre. Parce que la fin c'est aujourd'hui. La fin de ton problème c'est aujourd'hui. La fin de ta situation c'est aujourd'hui. La fin de tes pleurs c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Nous sommes le 12 décembre. Nous sommes le 12 décembre. Nous sommes le 12 décembre. La fin c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Situation profonde aujourd'hui. Ton problème profond aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Machada le gosse. Alléluia. My God, amenez-moi cette femme. Pendant que je vous ai touché, j'ai vu une famille qu'on appelle la famille Ilunga être délivrée maintenant. Tandis que je vous ai touché, prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Fais une photo avec ton téléphone. Prends-toi en photo. J'aimerais faire quelque chose. Prends-toi en photo. Zoua pensa photo ma quoi bien. Arada sula tele glede la bashada. Mele tu rada shada la bayalada. My God. Prends-toi en photo. Mikanga photo. Nereda la saka le du shakala da la maya. Litera de sukla de le bayalada. Narada shakalaba. Reste à ta place et prends-toi en photo. Shada la bakata la bayala. Alléluia. Nereka sukala de shetele yabara. Le dia suna la de likara de usu. Rapale du suna da bashaka la bayala. Alléluia. Ne viens pas devant. Koya libo sauter. Jésus. Yesu. T'as pris en photo. Mikanga photo. Regarde cette photo. T'as la photo Mikangi wana. T'as la yango. La fille de Jairus avait 12 ans. Moi, la moitié, il y a eu la qui l'a mis bousso mi na mi balé.
La femme à la perte de sang a duré son problème 12 ans. Mais c'est seulement dans l'année 12 que les choses se sont arrêtées. Aujourd'hui, nous sommes le 12-12-2021. Et j'aimerais dire, la personne que tu viens de prendre en photo ne sera plus pareille après en sortant d'ici. La personne que tu viens de prendre en photo là, en sortant ici, ce sera plus pareil. Parce que c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Non, ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu, l'extraordinaire stratège qui peut faire ça. Ce n'est pas le hasard. Mais la date d'aujourd'hui est une date prophétique qui est en train de dire que maintenant voici la fin. Maintenant voici la fin. Voici la fin. La fin de ton problème. La fin de tes pleurs. La fin de ta stérilité, la fin de ta maladie. Voici la fin. La fin, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Abokonabololo. C'est aujourd'hui. Ezalelo. C'est aujourd'hui. Ezalelo. Ah. Nous sommes le 12 décembre. Non, Yo. Mais au contraire, Dokande. Lorsqu'il lit la nuit, Dokabutoye. Il lit le jour. Dokopézali. Lorsqu'il y a la fin de quelque chose, Dokopézali. C'est que c'est le début de quelque chose. 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 Écoutez. Yoka. Pour que la terre soit en forme et vide, il y a eu comme un cataclysme sur la terre qui a fait en sorte que dès jeunesse la terre était en forme et vide. Mais malgré que c'était informe, que c'était la fin de quelque chose, ça venait d'être le début pour le monde, pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui est une date prophétique. Je ne sais pas pour toi, moi pour moi je le crois. Que aujourd'hui c'est une date prophétique. J'aimerais un peu déclarer sur toi. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, I declare and I prophesy. Je déclare et je prophétise. Que aujourd'hui est une date prophétique. C'est une date prophétique. C'est une date prophétique. Il y a quelque chose. Quelque chose qui commence, quelque chose que tu as longtemps désiré, quelque chose que tu as longtemps cherché, ça commence aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, le mariage commence aujourd'hui, le succès commence aujourd'hui, la stabilité commence aujourd'hui. My God, I can feel it anointed. Je crois. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Dis à ton voisin, le pasteur a bientôt terminé. Si tu peux rester debout, reste debout. My God. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Impressionnant cette histoire. C'était la fin pour la femme à la perte de sang. Non, mais remarquez une chose. Tandis que l'une a reçu son miracle, l'autre on vient l'annoncer que sa situation s'est empirée. On vient lui dire, c'est fini, n'importune pas le maître. Mais vous savez ce que j'aime?
Tandis qu'ils sont en train de parler, Jésus ne les arrête pas de parler. Mais qu'est-ce qu'il dit? Après qu'eux ils sont parlé, Jésus parle à le chef de la synagogue. Eux ils ont parlé. Ça c'est eux. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Eux ils ont parlé. Malobi koko balate. Malobi koko kufa aneo. Malobi bako sambu isayo. Bazanani pu ba sambu isayo. Malobi bako konzayo. Bazanani pu ba konzayo. Ce que Dieu dit est plus grand que ce que eux ils ont dit. Oh ta malobi elekio ya bango na makasi. Je ne sais pas pour qui je parle. J'aimerais le dire. Ce qui bango balobi. Nzambe pe ifwa loba. Tenazo kama kamazo loba te. Ce qui bango balobi A. Nzambe pe ifwa loba B, C, D, E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, S. Balobi okokufa. Yoka. Kota la bangote. Ah. Mutu abomba vinae na kungina ona katsa maboko nae. Alobi nini. Alobi okokufa te. Amen. 10 décembre ole. Yeah. Akati makambo ozali kolelisa. Ah. Alléluia. Il vient dire. N'importune pas le maître. Retourne sans colloté. Ta fille est morte. Moi non, ça oui. Il voit la mort, il voit finalité. Mais ceux qui ne comprennent pas, pour qu'il y ait commencement, il faut qu'il y ait une finalité. Jésus ne peut pas venir guérir. C'est trop petit. Mais Jésus doit résurrection. Écoute. Yoka. Makambo il faut sila. Batuba sunolio. Batuba lobi akobonga nenge nini. Akopi mandenge nini. Wanane wapu suke zalaka. Yesu be abanda. Abandaka. Il dit. Alobi. N'importune pas le maître. Kotungi sankolote. J'ai eu s'entend ça. Yaula yoki maloba oyo. Abangi. Ah. Et ce que j'aime, Jairus regarde à Jésus. Jésus dit, ne crains pas. Crois seulement. Et tu seras sauvé. Bango balobi. Tika Yesu pe aloba. Amen. Mabeta ba carte na bango. Tika Yesu beta carte na ye. Matia le koloniboso. Tika Yesu atia pe le koloniboso. Non, j'aimerais le dire, notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Ce qui m'a mégué, il a fait mes canons de Oyaïo. Ce qui m'a lobé, il a fait le banan de Oyaïo. Les bossaba prophètes et pas la langue à quitter. J'aimerais dire les bossaba nguna na yo kolenga pe. Être nombreux ne signifie pas qu'ils vont réussir. L'unanimité ne veut pas dire la réussite. Mais vous pouvez être nombreux, mais avoir des maillons faibles. Vous pouvez être nombreux. Mais mutoza na ngambu nanga. Yoka. La Bible dit, celui qui est avec toi est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Baza ebele ne baleki Yesu te. Amen. Baibi koloba ne baleki Yesu te. Amen. Baibi kopunda ne babunda kakoleka Yesu te. Amen. Goliath aime ki kopunda me liboso a David. David a koe sakina ni banga pamba. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va humilier tes adversaires. Dieu va humilier tes ennemis. Dieu va humilier tes adversaires. Dieu va humilier tes adversaires. Écoutez, Yoka. Moi j'ai vu le miracle de Dieu. Moi j'ai vu le miracle de Dieu. Des gens qui m'ont longtemps fait de faux témoignages. C'est seulement en décembre, après une année, qu'ils viennent s'excuser.
Après des années. Et en plus à la fin d'une année. J'aimerais dire à quelqu'un. Il y a de l'espoir pour un chien vivant qu'un lion mort. Ça veut dire il y a de l'espoir et une histoire pour quelqu'un qui est encore en vie. Je prie qu'en sortant d'ici, que ton adversaire qui t'avait longtemps combattu vient dire Limbisanga. La bénédiction maintenant au concaté. Oh paix maman Kasi. La bénédiction dans un coup et à te. La mec qui compte au malon mais on dirait un coup fatté. La mec qui compte si malon mais pas si ma parote. J'aimerais dire. Et dans le bas. Et dans votre mission, c'est pas pour nous s'arrêter. Soko simi bango simi yes. Soko niyokoli bango nzama niyokoli yo. Soko niyati bango nzama niyati yo. Soko kitisi bango nzama kitisi yo. Soko fini bango nzama fini. Tu es de la race de ceux qu'on ne doit pas toucher. J'aimerais le dire, tu es de la race de ceux qu'on ne doit pas toucher. J'aimerais dire, ils ont fait des plans. N'en veux pas à tes adversaires parce qu'ils font des plans contre toi. Ils ont le droit de te combattre. Mais Dieu dit, vous ne serez jamais vaincu. La guerre est réelle. Mais la victoire n'est pas de leur côté. La victoire est de ton côté à toi. La victoire est de ton côté à toi. Dis à ton voisin, dans deux minutes, le pasteur a terminé. Écoutez, Yoka. Il dit ceci. Alors, ils sont en train de partir. Bazokende. On lui dit, alors, n'importune pas. Ne dérange pas. Kotungi zankolote. Yo osana ni pot oye bisanga na déranger nzambete. Na ou déranger. Nanko. Na mutu na lamu ki na déranger. Mutu balobarana est sans crédit. Na ou déranger. Ceux qui n'ont pas de crédit est aussi là. Ma unité est aussi là. Ma mégé est aussi là. Mais solo faut la bête, non, on bête la yote. Mais où est fondé dans moi de night? Aza n'a pas sa mégote. Crédit, la Bible dit invoque-moi pour l'éternel. Je te rends. Soit éteint, soit hors du périmètre. C'est l'hilaire. Mais oh, nous tu as fini l'icolo. Azalaka soit éteint. Azalaka soit éteint, éteint, éteint. Azalaka toujours opérationnel. Amen. Nzamena bisa azalaka toujours opérationnel. Amen. Azalaka toujours opérationnel. Toujours opérationnel. Et pas na yera mais azalaka te. Azala est toujours opérationnel. Amen. Hey, tu es qui pour m'arrêter? Yona no pekisanga na ganga. Tu es qui pour arrêter? Yona no pekisanga. Match nanga zawo. No beta match akitoko. Nsamba ko kota la pengai. La fille de Jairus. Wana mwasi na yailo. Couché. Yakolala. Morte. Akufi. Ce que j'aime. Jairus, ne pense pas. C'est parce qu'elle a été guérie que toi tu ne seras pas visité. J'aime ce que j'entends. Il y en aura pour tout le monde. Et il en restera. Lorsque le pain a été multiplié, il y en avait pour tout le monde. Et il y a aussi resté encore du pain. Ah. Amen. Jairus,
inquiet. Ne crains rien. Comment côté? Crois. Et tu verras. Tu as peur de quoi? Parce que deux ans fin d'année. Tu as peur de quoi? 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 Tu as Jésus arrive chez Jairus. Ce que j'aime dans cette histoire, malgré la mauvaise nouvelle, ça n'a pas bloqué Jésus. Au contraire, Jésus avait la bonne nouvelle avec lui. Eux, ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. Mais ton Jésus est porteur de bonnes nouvelles. Ils arrivent. Ils rentrent. Koti. Première chose que Jésus fait. Il a chassé toutes les personnes qui pleuraient. Année 2022. Ne sois plus avec les gens qui ne voient pas loin. Ils te voient malade et ne croient pas à la guérison. Année 2022, une sélection est obligée. Une sélection est obligée. Tu as 10 amis, mais aucun de ces 10 t'emmène quelque chose. David avait un seul ami, mais ce seul ami lui a donné sa royauté. Entoure-toi des gens qui vont te donner quelque chose. Écoutez, ils arrivent, ils chassent. Ce qui se passe, Jésus arrive. Yes, il dit, elle est où la fille? Il dit, la fille, elle est là. Wapi mwana mwana, ye yo ye wana. Il dit, allô, oui? Lève-toi. Délema. Lève-toi. Délema. Au même instant. Kaka na malobo, yes, alobaki. C'était peut-être terminé. Mais regardez comment ça continuait. C'était peut-être fini. Mais regardez comment la nouvelle histoire rentre. C'était peut-être fini pour les uns. Mais pour toi, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. Il dit, lève-toi. Match est comme nous. Moi aussi, à ce seul anini, à la mouki. Alors, mais voici, je suis aussi réveillé. Ton Dieu ne souffre jamais. Ton Dieu ne souffre jamais. Ton Dieu ne souffre jamais. La fille de Jairus, elle s'est réveillée. Elle a ouvert les cieux. Tout le monde commence à regarder. Tout le monde commence à regarder. En disant, comment ça se fait? Comment il a réussi? S'il était à Kinshasa, on aurait dit bah, supporter à Bagangi. Ils ont regardé. Ils ont vu que Dieu n'a pas échoué, mais que ça marche. J'aime ce que Bishop John aime dire. Ça marche. Ça n'échoue jamais. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Voilà comment une histoire qui était terminée a repris un nouvel élan.
C'est que Jésus qui peut faire ça. Mais remarquez comment ça termine. La Bible dit, Jésus dit, donnez-lui à manger. Est-ce que je peux vous expliquer qui est le chef de la synagogue? Le chef de la synagogue est celui qui ordonnait aux gens de lire les Écritures. C'est lui, lorsque Jésus arrive dans la synagogue pour la première fois, il donne à Jésus pour que Jésus lise, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les chefs de la synagogue, ils avaient le pouvoir de donner aux gens la lecture de la parole. Mais remarquez comment Jésus vient renverser cela. Il dit, donnez-lui à manger. La nourriture, c'est la parole. En réalité, Jésus montrait qu'il y aura un temps où ça ne sera plus les chefs de la synagogue qui ordonnera, mais ça serait moi qui suis la parole qui va ordonner. J'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais déclarer comme ceci: à partir d'aujourd'hui, tu vas écrire une nouvelle histoire. Tu vas écrire une nouvelle histoire. Ça n'a pas marché hier, mais ça marchera aujourd'hui. Ça marchera aujourd'hui. Une nouvelle histoire commence pour ta vie. Je le déclare. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Quel est le merci, Gozali? Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Et commence à dire à Dieu, voici la fin. Voici la fin. Que la fin de mon problème s'arrête aujourd'hui. La fin de ma situation s'arrête aujourd'hui. Voici la fin. Voici la fin. Mes pleurs s'arrêtent aujourd'hui. Mes pleurs s'arrêtent aujourd'hui. Ma situation s'arrête aujourd'hui. Voici la fin. Quelqu'un peut-il le déclarer? Quelqu'un peut-il le dire? Amen. Dieu dit c'est la fin aujourd'hui. Dieu dit c'est la fin aujourd'hui. Dieu dit c'est la fin aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever sa voix? 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 Déclare-le là où tu es. Et aujourd'hui c'est la fin. La fin de cette situation. La fin de ce problème. La fin. La fin. La fin. Déclare-le. Déclare-le. Au nom de Jésus. Élève ta main. Je veux que tu dises trois fois. Nanoesilité. Je veux que tu dises trois fois.
Nakosuka boyete. Je veux que tu dises trois fois. Olo mama la misade. Nakokueya awate. Une. Nakokueya awate. Deux. Nakokueya awate. Trois. Nakokueya awate. Je veux que tu dises trois fois. Olo mama la misato. Nakotato la kembo na nzambe. Une. Nakotato la kembo na nzambe. Deux. Nakotato la kembo na nzambe. Trois. Je bénis cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.